Les amis, petite vidéo qui n'était pas prévue de base, mais vous le savez, c'est comme les soirées, les vidéos qui sont pas attendues et les soirées qui sont pas attendues, c'est généralement les meilleures. Je reviens tout juste du Charade Super Show qui était un show organisé sur le circuit de Charade. Ouais, mais merci Mister Obvious. Où j'ai pu faire la course contre des anciens pilotes de F1, des anciens champions du monde de rallye, des pilotes du Dakar. Il y avait entre autres Harry Vatanen, il y avait Philippe Alliot, Didier Auriol, il y avait Guerlain Chichri que vous connaissez. C'était lui qui avait fait des tonneaux par l'avant avec Mini en tentant de faire le saut le plus long du monde, qui est également pilote en rallycross. Il y avait Romain Dumas, Stéphane Ortelli, il y avait Christian Lavieille. Enfin bref, il y avait vraiment du beau monde. Et notamment pendant l'événement, il y avait des courses en duel qui étaient organisées entre chaque pilote. Et au tirage au sort, je suis tombé sur Christian Lavieille qui est triple vainqueur du Bol d'Or en moto, qui participe toujours au Dakar encore aujourd'hui. Alors le format de course, c'est un peu comme la course des champions, on part tous les deux avec les mêmes voitures, il y a un seul tour, donc ça va vraiment très vite. Et on va faire la course dans des Crossley 90F, c'est des répliques modernes des Formules Ford des années 60. 110 chevaux, 420 kg et boîte 4 à crabeaux qui a posé beaucoup de difficultés à beaucoup de monde. Évidemment, pas d'ABS, pas de traction control, donc vraiment un pilotage assez fin. Il faut savoir qu'on a quasiment pas eu d'entraînement avec les voitures ou pour repérer les tracés, donc ça va être un petit peu chaud. Donc la course se passe en un seul tour avec une manche aller, une manche retour, et si jamais il y a égalité, on fait une dernière course pour départager et savoir qui va se qualifier pour les prochaines phases. Donc en résumé, tu donnes deux voitures qui sont pas évidentes à prendre en main à deux pilotes quasiment sans entraînement et tu leur dis allez-y, faites ta course parce qu'il y a une qualification à la clé. Ok les gars, allons-y hein. Donc dans cette vidéo, vous allez voir les différentes manches auxquelles j'ai participé. Je vous laisse d'abord avec un premier visionnage sans parler et après on se regarde à nouveau la course et là je vous donne mon débrief sur ce qui s'est passé. Et avant tout, si tu sais pas encore où tu atterris, je m'appelle Romain Monti, je suis pilote automobile professionnel. Sur ma chaîne, je t'embarque avec moi dans les coulisses de ce que je peux vivre. Donc abonne-toi si c'est pas encore fait, mets ton plus beau pouce bleu et on se retrouve tout de suite en piste pour la première course. C'est bon, ça marche là? Tu l'as cassé? Allez, c'est parti pour la mise en grille. Christian est déjà parti devant. Moi, j'essaie de passer le maximum de vitesse dans la pitlane pour voir comment ça fonctionne. Pour prendre un petit peu d'expérience, parce que vraiment, c'est très compliqué de décomposer avec cette boîte de vitesse. Et là, je fais un move qui est vraiment, mais vraiment, vraiment idiot. C'est que là, regardez, je suis en deuxième vitesse. Et là, je passe au point mort et je me laisse en roue libre pour avancer jusqu'à la ligne de départ. Et c'est vraiment ce qui va causer ma perte sur cette première manche. Donc je me positionne juste à côté de Christian. La boîte elle est pas synchronisée, ce qui fait que quand elle est à l'arrêt, parfois les vitesses passent pas. Donc faut qu'elle soit en léger mouvement pour passer. Donc là j'essaie de passer à vitesse mais y a rien qui rentre. Donc là j'essaye au maximum de rentrer à vitesse. Finalement il y en a une qui passe, mais là je peux pas tester parce que là j'avais peur que des feux s'allument et s'éteignent trop rapidement. Donc là je me dis j'espère vraiment que je suis en première et pas en marche arrière. Et là c'est parti et ça part en marche arrière. A chaque fois que je revois cette scène, je me dis mais mon dieu, mais quelle honte. Il y avait 6000 spectateurs sur le week-end et moi je pars en marche arrière, mais quelle honte. Du coup, oublie de cravacher, et là je reste en deux pour pas mettre la première.
petit coup de sur à la sortie. Je reste en deux pour pas prendre le risque d'en mettre une vitesse. Et à chaque fois que je vais passer une vitesse, je vais avoir peur de pas mettre la bonne. Parce que vraiment, la boîte des vitesses a causé beaucoup de soucis pour beaucoup de pilotes. C'est vraiment assez complexe, surtout sans expérience de la boîte pour mettre la bonne vitesse. C'est pour ça que je regarde par exemple la boîte. Hop, j'essaie de mettre à 3. La 3 est rentrée sans problème. Alléluia. Là, je reviens sur Christian cette partie-là. Vous allez voir, ça c'est une partie qui est assez rapide avec un gauche qui referme fort. J'arrive vraiment à rattraper Christian, à mettre plus de vitesse. Et là, hop, je mets la 2, ça rentre. Je mets la première, ça rentre aussi. Tout est parfait. Et là, j'ai vraiment gagné beaucoup de temps sur Christian. Je suis bien revenu. Hop, coup de 2. Je suis vraiment dans le pare-choc, si tant est qu'il y en avait un sur la voiture. Et là, j'essaie de rentrer à 3 et la 3, elle passe jamais. Là, je repère à nouveau une éternité en essayant de rentrer la 3. Là, je me dis que c'est terminé. Mais là, Christian décélère, ça permet de revenir. J'essaie vraiment de rester à l'extérieur pour aller essayer de croiser au maximum. Et là, il ouvre vraiment la porte. J'y pensais pas, donc moi je me jette à l'intérieur. J'ai mis la 2 rentre, je réaccélère. Et je passe, je gagne la course sur la ligne d'arrivée. Je pensais vraiment pas gagner cette première manche en étant parti en marche arrière. Donc première manche gagnée après m'être fait une belle frayeur sur la grille de départ. Et après m'être tapé la honte devant tous les spectateurs qui étaient dans les tribunes. Donc petit rire en me disant putain je suis parti vraiment en marche arrière mais quelle honte. Ah oui, merde. Allez c'est parti pour directement la deuxième manche. On repart directement. Et là du coup j'apprends de mes erreurs et je me dis je vais pas faire la même que tout à l'heure. Je mets vraiment la 1, je la sécurise, je la rentre bien, bah, je suis sûr d'avoir sécurisé la première. Comme ça maintenant je garde l'embrayage. Christian s'est mis sur l'extérieur cette fois-ci, on a échangé les places pour que ce soit assez équitable. On motive un petit peu le public, les feux vont pas tarder à s'allumer, les feux s'allument. Là on commence à relâcher un petit peu les freins et on est tous les deux, on a anticipé le départ. Christian un peu plus que moi, il prend un meilleur départ en ayant anticipé. Du coup là, je me dis je vais prendre bien extérieur, mais vraiment sur l'extérieur de la piste pour essayer de croiser au maximum. Je mets la première, là j'essaie de décroiser mais je suis trop court. J'imaginais pas que le museau était aussi long de la voiture. J'arrive à remettre, je ne sais pas par quel miracle, la carrosserie de la voiture. Et je me dis putain, faut vraiment que ça tienne. Là je vois que la carrosserie part un peu de gauche à droite. J'espère vraiment qu'elle va rester en place, sachant que j'ai perdu le museau avant dans l'incident. Donc là bah, je me dis quelque part la course elle est un peu flinguée. Mais bon, si c'est un peu comme la première course, je vais arriver à remonter. D'ailleurs c'est ce qui se passe, j'arrive à remonter sur Christian dans cette partie là. Je me dis faut vraiment que la vitesse passe là, pour le coup s'il te plaît. Je mets la 2, ça passe, je mets la 1, ça passe. Petit blocage, pas d'ABS hein, je vous rappelle. Je mets vraiment du gaz et là, plus de gaz. La voiture qui s'arrête vraiment, 0-0 gaz. J'essaie de jouer avec l'embrayage pour mettre des tours minutes. Je remets un coup de première, la voiture elle repart. Mais voilà, problème méca, plus aucun gaz au niveau de la relance.
Alors j'étais content, moi j'avais bien tombé à ma deuxième vitesse, j'avais bien tombé à la première vitesse. J'étais bien dans les fesses. J'étais bien dans le pare-choc arrière de Christian. Et du coup bah là cette fois-ci la course elle est vraiment morte et jusqu'à la fin bah il n'y a plus rien à faire. Et la voiture est vraiment tombée en panne là-haut, sachant que Romain Dumas avait roulé la voiture aussi, avait connu le même problème. Mais voilà, j'ai pas eu problème sur la première course, j'ai eu problème là sur cette course-là. Et donc il y a un planning à respecter, donc on peut pas trop perdre de temps à chercher le problème méca ou quoi. J'ai des problèmes moteurs. T'as des problèmes moteurs? J'ai des problèmes moteurs, ouais. Genre comment? Lâche les freins. Genre elle coupait vraiment, quand t'es pas dans les tours, si tu veux, la voiture elle coupe quoi. Quand t'es pas dans les tours? Ouais. Il faut être haut dans les tours. Merci Mister Obvious, merci beaucoup. Bah il faut être haut dans les tours. T'es arrêté dans l'épingle et il te dit faut être haut dans les tours. On change les bagnoles, non? Je sais pas. Non, ouais. on change le museau 2 secondes. Faut que tu t'avances 2 secondes. Voilà. Donc là il change la carrosserie parce qu'elle avait été abîmée, donc il change le museau, ils vont remettre après le reste de la carrosserie. Ce qui vous permet au final de voir comment est faite la voiture pour le coup. Mais oui, tu peux m'interviewer sans souci. Essayez d'avoir quelques informations sur ce qui s'est passé sur cette deuxième manche. Il est sous son casque, hein. Vas-y, toi, nous. Bonjour. Non, premier truc, c'est que j'ai mal évalué pour le coup la longueur du museau devant. Donc j'ai voulu décroiser, j'ai touché la carrosserie. J'ai réussi à remettre et continuer. Par contre, en haut, le moteur il s'est coupé. Donc j'ai pris le moteur là-haut et quand il est trop bas dans les tours, le moteur il s'est vraiment arrêté. Donc une fois arrivé là-haut, j'étais derrière Tristan, mais je pouvais rien faire parce que le moteur a calé quoi. C'est comment là d'être en ambiance compétition là? Bah c'est sympa, hein, surtout quand on met un casque sur la tête, c'est sympa. En plus, aujourd'hui il fait beau, le circuit de Charade, c'est un circuit qui est magnifique. Donc là, tu me donnes un moteur qui fonctionne et puis on va faire la course quoi. Il est chaud patate, il est en train de faire des images avec sa caméra embarquée, qu'on retrouvera sur sa chaîne YouTube. Ou en tout cas sur ses réseaux, il aura sûrement plein de choses à raconter. C'est vrai, j'ai plein de choses à raconter. Romain, il a... C'est une passion. Hein? C'est une passion. C'est un métier. Une passion YouTube, c'est un métier. Ah, mais on peut gérer quelque chose ou pas pour le moteur du coup? Là tout de suite, ouais. Tu dois faire une dernière manche donc okay. Il va falloir. On va tester comme ça. Hein. Voilà. Ok. Allez, c'est reparti. Romain Monti qui va se mettre en jeu. Et là, la première est rentrée sans souci. Alléluia. On vient de croiser Romain Dumas sur le côté. Bon là du coup manche décisive, j'espère vraiment ne plus avoir le problème méca. Je vais essayer au maximum de garder des tours minutes pour pas avoir cette coupure moteur qui intervient. Du coup je pars à nouveau sur l'extérieur, donc là pour le coup je suis mal placé. Mais voilà, hein, j'ai pas dit mon dernier mot et on va essayer d'aller chercher cette victoire, cette qualification. Un petit regard sur Christian
qui ne me voit pas, qui est vraiment concentré sur, sur sa course. Je suis bien en première, allumage des feux, on relâche progressivement. Il part un peu avant moi, mais j'arrive à garder l'intérieur. J'arrive à pousser ma première vitesse. Là, je suis à l'intérieur. Ça bloque un peu, mais j'ai bien protégé l'intérieur. Là, Christian est vraiment juste à l'arrière de la voiture. Je mets la 2, ça passe sans souci. J'essaie de régler le rétro pour essayer de voir un peu où se trouve Christian. Parce qu'on voit vraiment pas grand-chose dans les rétros. Là, je reste en 2 en me disant, allez, j'espère vraiment que ça va le faire en 2. Je veux pas mettre la 3ème parce qu'elle me terrorise un petit peu que ça rentre pas. J'essaie de vraiment décomposer. C'est pour ça que j'accompagne, ça rentre. Donc là, je fais vraiment... La course parfaite, j'arrive à garder de la vitesse. Là, on voit Christian qui est juste derrière moi, qui essaie de chercher l'ouverture, il essaie de passer sur l'extérieur. Moi je suis vraiment concentré sur ma trajectoire. Je mets la 2, ça rentre, je mets la première, ça rentre. Et j'essaie vraiment de jouer avec embrayage pour gagner des tours minutes et repartir. Et à nouveau, plus de gaz, plus rien. Voilà, je souffre. Là je souffre parce que je me dis, ça y est, c'est terminé, la qualification s'envole. Là j'ai la haine contre la voiture. Je remets un coup de première, donc je remets au maître. Je me remets au neutre, je me remets un coup de première à la voiture, elle repart. Mais quoi qu'il arrive, tout est perdu. Et donc voilà, frustration. Alors c'était très fun de rouler dans ces voitures là. Pour le coup, bah vraiment quand tu découvres tout, tu découvres la voiture, tu découvres le tracé, tu découvres ton concurrent, tu découvres le format de l'épreuve, on te jette là-dedans et on te dit vas-y, fais au mieux. C'était vraiment très rigolo pour le coup de tout découvrir avec bah, le show que ça a apporté. Tu pars en marche arrière, tu fais des blocages de freins, tu fais des blocages de pneus, tu fais des blocages de boîtes, t'abîmes le museau, mais au moins on a fait chaud pour les spectateurs, donc c'était cool. Mais là, en tant que pilote, vraiment grosse frustration. De perdre sur un problème méca, parce que pour le coup si on n'a pas le problème méca, bah on est qualifié, et là malheureusement bah pas de qualification parce que deux fois le problème méca qui intervient. Et donc pour la suite de la course, et donc pour la suite de la compétition, la voiture sera plus utilisée parce qu'elle avait des problèmes méca, donc elle aura été remplacée. Mais malheureusement du coup je suis éliminé. Donc très bonne ambiance avec Christian, on s'est vraiment bien amusé à se tirer la bourre. Et félicitations à Christian pour avoir remporté et être passé à l'étape d'après. Voilà pour cette vidéo, j'espère que t'as kiffé. Si c'est le cas, mets ton plus beau pouce bleu. Déjà, juste pour être parti en marche arrière et avoir quand même gagné la course, ça mérite bien ton plus beau pouce bleu. Abonne-toi pour voir mes prochaines aventures en sport auto. Viens me suivre sur Instagram, on est plus de 46 000 maintenant sur Instagram. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.